Bon matin. Je suis en compagnie de mon bébé malade. Il fait 40 de fièvre depuis hier. Il est quand même content. Il n'est pas mort. Le Tempra, ça fonctionne bien à date. On va avoir une petite journée pas mal tranquille. Là, moi, il faudrait que je me lave la tête. Parce que hier, il filait vraiment pas quand je suis revenue de la piscine. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai priorisé, comme d'habitude, j'ai priorisé le bébé. Sinon, on a arrêté de se poser normalement d'aller chez ma mère aujourd'hui, mais là, d'après moi, ma mère va venir à nous. Puis, je devrais préparer aussi des sacs à donner pour la société des diabétiques du Québec qui vient de ramasser des sacs de dons. Ouais, parc, la même pleine de bave. Ouais, on soupçonne les dents pour revenir à ça là, pour Théodore parce qu'il bave énormément. Plus la fièvre, alors c'est ça. On soupçonne. On soupçonne que les dents vont sortir bientôt. À date présentement, depuis hier, il n'y a rien qui est sorti. Il tousse pas, il vomit pas, rien. Alors c'est pour ça qu'on soupçonne les dents. Alors, à suivre pour le restant de la journée. Je vais aller préparer. Les sacs à donner, vu que ma mère va venir les chercher, ils vont passer chez elle pour les ramasser. J'ai déposé Théo dans son lit pour faire une sieste. Je voulais qu'il se repose un peu vu qu'il fait de la fièvre. Je l'ai laissé pleurer une petite affaire pour qu'il s'endorme par lui-même. C'est toujours la bataille pour faire la sieste. Il fait des petits bruits, il se roule un peu. Mais je pense qu'il a besoin de se reposer vu qu'il ne file pas. Je ne l'ai jamais vraiment pleuré bien longtemps, sinon je vais le voir puis je tapote les fesses pour l'aider à se calmer. Je suis pas très très bonne dans le laisser pleurer mon bébé. Là, surtout en plus quand il fait le pas, je suis encore plus, je dirais pas folle, mais un petit peu folle. Je vais être tout qui est correct, qui est bien puis tout. Fait que là, il a l'air à s'endormir, je vais pouvoir en profiter pour serrer ma vaisselle, ramasser un petit peu. Préparer des choses que j'ai besoin de préparer. Puis c'est ça, dans le fond, en espérant que cette petite sieste-là va faire du bien à mon petit cœur qui est malade. Alors, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 minutes, top chrono, il pleure, puis il est rendu assis dans son lit, ça aussi c'est nouveau. Tu veux pas faire de sieste? Non, hein? Qu'est-ce que tu fais assis tout seul, toi? Oups! Oh! Thank you.
que Coco il file pas puis qu'il est malade, ben je vais le garder dans mes bras puis il va le dormir dans mes bras. Il fera ses siestes sur moi aujourd'hui. L'important c'est qu'il aille mieux puis que ça passe cette maudite fièvre là. Il veut pas du tout faire de sieste dans son lit. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que je le gâte trop. Moi je pense pas. Je pense que s'il a besoin d'être collé pour aller mieux, ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va rester collé toute la journée. Qu'est-ce que t'en penses toi? Au moins il pleure plus, puis je pense qu'il a l'air bien. Dans le fond, pareil moi aussi, je pense que si je serais un bébé, j'aimerais mieux être collé bien au chaud que tout seul dans mon grand lit. Surtout quand tu files pas. Ah oui. C'est-tu tes dents? Ah oui. Bon. Ça va finir en portage. Vraiment pratique ça ici. Là. Ça, c'est la marque Poppy and Dave. Ça s'appelle un sling. C'est fait avec du lin, dans le fond. On crée une pochette pour les fesses. Puis bébé peut s'asseoir dedans. On peut serrer la partie en haut en tirant ici. Puis la partie du bas en tirant de ce côté-là. Tu le mets du côté que t'aimes le mieux. Puis ça fait une belle petite pochette pour un petit bébé grippette. Chercher les sacs pour la collecte de demain de la Société québécoise de diabétiques. Alors, ils ont 4 beaux gros sacs à poubelle remplis de vêtements. Puis, il y a des petits vêtements de bébé aussi à l'intérieur. Alors, ça, c'est la BA de la journée, de la semaine. sinon, alors, c'était une petite journée tranquille quand même aujourd'hui, comme vous avez pu remarquer. Puis, la fièvre à Théodore, ben c'est encore sous contrôle avec le Tempra. C'est pas totalement parti. On va continuer de contrôler ça cette nuit jusqu'à demain.
On va voir si les dents, si c'est ça, on va voir si les dents vont commencer à sortir. Les maudites, ils ont le dos large, on met beaucoup de choses là-dessus. Des fois, on dit, ah, il dort pas bien, c'est peut-être les dents. Des fois, il se mange les doigts, il bave, c'est peut-être les dents. Il y a un peu les joues rouges, peut-être les dents. On sait pas. On va savoir quand ça va sortir pour pouvoir mieux savoir pour la prochaine fois. Mais là, pour le moment, je sais vraiment pas pourquoi il fait de la fièvre. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de tout, il n'y a pas rien qui est sorti. Alors, à suivre. Alors, pour tous ceux qui ont écouté la vidéo, ben bonne soirée à vous, si c'est la soirée. Sinon, si c'est la journée, ben passez une belle journée. On se dit à la prochaine! À la prochaine! T'es là! À la prochaine!